C'est à travers les réseaux sociaux que j'ai connu Daouda Kassogué, vendeur de beignets. J'ai été surprise de voir un homme préparé convenablement comme une femme. En tant que mère de famille, ça m'a mis hors de moi-même. Je suis vraiment contente de voir un jeune homme comme ça. J'ai tout fait pour le rencontrer et désormais je viendrai acheter les beignets chez lui. Je viens acheter les beignets chez Daouda Kassogué pour observer le jeûne avec. Ça ne se décompose pas vite et puis c'est délicieux. Ce qui m'a impressionné chez lui, c'est qu'il fait des emportés dans l'aluminium. Toutes les conditions hygiéniques sont bien réunies. En plus des beignets, il vend aussi les têtes de mouton préparées. Mais il a besoin de soutien pour faire prospérer son entreprise. C'est ma maman qui vendait les beignets depuis que nous étions tout petits. C'est en 2015-2016, lorsqu'elle est tombée malade, que j'ai commencé moi-même à prendre la relève en abandonnant l'école en terminale. Le début n'a pas été facile. Les gens me traitaient de tout, mais j'ai persévéré. Je sais de quoi ma famille souffre, donc je n'ai pas besoin des on-dit. Chaque jour, je prépare et vends un sac de 50 kg de farine de petit mil transformée en beignets. Même si un client n'a pas d'argent, je lui donne les beignets en crédit. On a des livreurs aussi qui passent livrer les commandes. Il y a une différence entre les beignets que j'ai faits et ceux des autres. Je mélange la bouillie du beignet avec du sel, du lait en poudre, de la banane. C'est ça qui pousse la clientèle à venir vers moi. Je vends les galettes pendant le Ramadan. Actuellement, avec la crise, le riz et l'huile coûtent cher, mais on se débrouille pour satisfaire la clientèle. Je vends 2 galettes à 25 francs CFA. Le Ramadan de cette année est très différent des autres années. Je le sens même à travers la vente journalière. Beaucoup de clients viennent en acheter pour la rupture du jeûne. Amé, Koko. Je vends les galettes pendant le Ramadan. Actuellement, avec la crise, le riz et l'huile coûtent cher, mais on se débrouille pour satisfaire la clientèle. Je vends 2 galettes à 25 francs CFA. Le Ramadan de cette année est très différent des autres années. Je le sens même à travers la vente journalière. Beaucoup de clients viennent en acheter pour la rupture du jeûne. Akagele. Bonjour.